As-tu dormi? Un peu, oui. Bah, as-tu dormi la nuit entière? Non. Il le fallait, il y a des moyens. J'ai essayé, j'étais trop fatigué. Tes mains tremblent. Non! Qu'avez-vous à me regarder? Ne peut-on être fatigué? On peut être fatigué, nous pensons à toi. Il fallait y penser avant-hier. Si la bombe avait été lancée il y a 2 jours, nous ne serions plus fatigués. On risque sa vie, bien sûr. Mais à tâtons, sans rien voir. Tandis que se tenir debout, quand le soir tombe sur la ville, au milieu de la foule de ceux qui pressent le pas pour aller trouver une soupe brûlante, la chaleur d'une femme, des enfants, se tenir debout et muet, avec le poids de la bombe au bout du bras, et savoir que dans 3 minutes, dans 2 minutes, dans quelques secondes, on s'élancera au devant d'une calèche étincelante, la voilà la terreur. Et je sais maintenant que je ne pourrai pas recommencer sans me sentir vidé de mon sang. Oui, j'ai honte. J'ai visé trop haut. Il faut que je travaille à ma place. Une toute petite place. La seule dont je sois digne. Il n'y a pas de petite place.